¡Vamos a dárselo! ¡Vamos! Je suis Juan Manuel Cortés, saltimbanque, troubadour, décocheur de sourires et de bonne humeur et intergitant du spectacle. Je suis musicien, percussionniste, palmero, spécialisé dans le monde et dans la culture du flamenco. Je vais vous présenter une rythmique en 12 temps de type soleá, pulería, cantina, alegría avec une première voix qui va conduire une base et une deuxième voix qui viendra créer justement un petit contrepoint rythmique avec un petit rematé. A tout de suite. Dans le flamenco traditionnel, nous utilisons deux types de palma. La palma sorda et la palma clara, sonora ou abierta. Dans cette petite variation en 12 temps, nous avons opté pour l'utilisation de la palma clara pour son côté dynamique et percussif. Une première voix conduira cette base rythmique en 12 temps de type soleá, pulería, alegría, cantina, et une deuxième voix viendra en contrepoint rythmique. Le compás, c'est ce concept que l'on a dans notre jargon flamenco pour parler de la rythmique de manière générale et globale, et c'est aussi un outil d'étude de mesure. Par exemple, avant d'intégrer notre contrepoint rythmique qu'on appelle remate, il y a eu 2,5 compas de base. Notre remate, notre petit contrepoint rythmique, cette petite variation, a duré, elle, 1,5 compas. Le remate, justement, c'est cette petite pièce de Lego, c'est cette petite variation qui vient amener un changement pour pouvoir ponctuer, pour pouvoir conclure. C'est une petite pièce de Lego qui va nous servir à terminer. Les jaleos, ce sont les interjections vocales qu'émettent les flamencos pour s'encourager les uns les autres, que vous entendez dans cette petite variation-là, qui sont aussi un outil rythmique, et c'est aussi un style traditionnel né en Extremadura, los jaleos extremeños. Nous avons décidé dans cette petite variation de travailler à palo seco, c'est-à-dire sans accompagnement de guitare, mais nous aurions pu le faire aussi avec un accompagnement de guitare, bien évidemment. Il existe différentes rythmiques dans le monde et dans cette culture du flamenco. Des rythmiques binaires en 4 temps, comme la famille des tangos. Des rythmiques ternaires en 3 temps, comme la famille des fandangos de Huelva, des fandangos abandolados, des sevillanas. Famille rythmique en 12 temps de type soleá. La variation que nous étudions fait partie justement de cette famille rythmique-là. Famille en 12 temps de type seguiría. Et une large famille de styles traditionnels, libres de rythme, que l'on joue ad libitum. Nous allons maintenant nous concentrer sur cette rythmique en 12 temps de type soleá, rythmique d'amalgame qui va mélanger des cellules en ternaire et des cellules en binaire. La petite variation que nous avons étudiée est une variation en 12 temps de type soleá, pulería, alegría e cantina, qui fait partie de cette rythmique en 12 temps de type soleá, mais que l'on jouera sur un tempo un petit peu plus rapide. Nous allons d'abord étudier cette rythmique en 12 temps de type soleá sur un tempo plus lent. Rythmique en 12 temps de type soleá. Nous démarrons avec 2 cellules de 3 et nous allons poursuivre avec 3 cellules de 2. Et 1, 2, 3. Avec un arrêt sur notre dixième temps, sur notre deuxième cellule de 2. C'est une règle traditionnelle, c'est une règle du jeu basique pour pouvoir terminer, conclure, rematar ces rythmiques en 12 temps de type soleá. Si vous souhaitez travailler plus longuement ce patron en 12 temps de type soleá, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Solo Compás Soleá 70 battements par minute
et vous y trouverez une petite vidéo pédagogique pour continuer et approfondir ce travail-là. Passons maintenant à cette rythmique en 12 temps de type Sole a Bulgaria, Cantina, Alegria, Bambera, Cagna et Polo. Différents styles traditionnels vont pouvoir s'appuyer sur cette dite rythmique. Comparé à tout à l'heure pour la rythmique en 12 temps de type Solea, nous allons toujours retrouver nos deux pièces de ternaire et nos trois pièces de binaire. Sur la Solea, nous étions sur un tempo lent aux alentours de 70 battements par minute, alors que pour cette rythmique en 12 temps de type Solea, Bulgaria, Cantina, Alegria, Bambera, Cagna et Polo, nous serons plutôt aux alentours de 154 battements par minute pour la petite variation que nous avons travaillée. Bien évidemment, ça pourrait se faire sur un tempo un poil plus lent ou même un petit peu plus rapide. Étudions à présent ce patron rythmique que je vous propose pour conduire cette base rythmique dans cette petite variation. Nous allons toujours retrouver notre remate sur le dixième temps. On retrouve toujours nos deux cellules de ternaire et nos trois cellules de binaire, mais le tempo changeant, ayant accéléré, la forme de ce patron-là va changer. On est toujours dans un 12 temps de type Solea. Si vous souhaitez continuer ce travail en profondeur, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Solo Compass Solea Bulgaria 154 battements par minute et vous trouverez justement un petit support pédagogique pour aller un petit peu plus loin dans ce travail. Passons maintenant à l'étude du remate, cette petite variation, ce petit contrepoint rythmique. Il est composé de trois parties, il a une durée de 1 compas et demi. Il démarrera après notre sixième temps si nous comptons cette rythmique en 12 temps en 12 et il terminera sur le neuvième temps. La base, justement, elle continuera de manière inchangée du début jusqu'au final et elle viendra conclure, rematar, sur le dixième temps. Passons maintenant à l'étude de ce remate. La première partie démarrera après le sixième temps. Pa, pa, pa. Après avoir étudié la première partie de ce remate où nous utilisions la percussion du pied et la palma clara, passons à présent à la deuxième partie. Pa pa pam pa pa pam pa kan katan katan kotu kotu et pa pa ou pa pa ou pa pa ou pa pa ou. Voici la deuxième partie. Avec un petit crescendo. Une dernière fois pour la route, n'hésitez pas justement à percuter avec la voix avant de réaliser ce patron rythmique en 12 temps et cette petite variation, ce petit remate. Et pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner avant de passer au palma, c'est de percuter avec la voix. Pa pam pam ti ton tan pa pa pam pa pa pam pom pam pa pam pam ti ton tan pa pa pam pa
tac, tout pam, pam, pam. Et pa, pam, pam, ti, tout. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, boum, pam. Pa, pam, pam, ti, tout. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, boum, pam. Pa, pam, pam, ti, tout. Katam, koutou, katam, koutou, koutou. Et pa, pam, ou pa, pa, oum. Tac, tac, tout pam, pam. Comme moi, vous préférez peut-être le rosé social aux réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et sur YouTube à mon nom Juan Manuel Cortés, ainsi que sur le site de la compagnie luisa.com pour suivre notre actualité.